voici votre animateur, Sab Henning. Chers téléspectateurs, bienvenue à notre grande émission, les défis de l'impossible. Et applaudissements pour Chang Yuli, expert en médecine égale américain d'origine chinoise. La star de musique folk chinoise, le chanteur Wei Qingshou. Bonjour à tous. Et Dong Qing, la seule femme de notre jury. Aujourd'hui, avec les membres de notre jury et nos spectateurs, nous allons être les témoins de défis impossibles. Avant de vous présenter notre prochain candidat, je vais faire un mouvement. On va voir si vous savez ce qu'il signifie. Qu'est-ce que ça veut dire? Allez-y. Allez-y. Sur les porte-avions, en général, c'est la signalisation gestuelle quand le commandant annonce le décollage et l'atterrissage. Néanmoins, faire ce geste, ce n'est pas bien difficile. Le plus difficile, c'est de contrôler les avions sur le porte-avions. Aujourd'hui, le prochain défi que nous allons voir ressemble beaucoup à ce type de pilotage et l'épreuve va se dérouler à l'extérieur. Regardons ça ensemble. Bienvenue dans notre nouvelle émission des défis d'impossible. Bonjour à tous, nous nous trouvons actuellement sur le site touristique Qinshetan dans le nord-est de la Chine. Le défi impossible d'aujourd'hui va consister à faire atterrir un avion sur un camion pick-up. Je m'appelle Liu Guoli, je fais partie du club aéronautique des aviateurs de Beijing. Je m'appelle Chen Jing, je suis conducteur de pick-up. Voici les règles du défi. Sur une piste de 900 mètres, l'avion ne pourra pas descendre en dessous de 80 km/h et devra atterrir sur la plateforme de 2 mètres de large à l'arrière du pick-up lancé également sur la piste. Sur une distance limitée, le candidat devra aligner sa trajectoire et sa vitesse sur celle du pick-up pour atterrir dessus. Ils auront deux chances en tout et apparemment, c'est une chose vraiment impossible. L'avion se prépare à prendre son envol sur la piste. Des pompiers et des infirmières sont prêts à intervenir en cas de besoin. Nos candidats sont prêts, le défi va commencer. Ça fait 15 ans que je suis pilote, mais je ne peux vraiment rien garantir en ce qui concerne ce défi. Si M. Chen n'avait pas accepté de m'accompagner, je ne l'aurais probablement pas fait. Ce défi est vraiment impossible, mais comme Guoli voulait le faire, je ne voulais pas le laisser tomber. J'ai accepté de conduire le pick-up parce qu'on est comme des frères. La difficulté de cette mission réside dans le fait que la vitesse et la trajectoire de l'avion et du pick-up devront être contrôlées de façon exacte. Cela va être une vraie mise à l'épreuve pour la complicité de nos candidats. Bien, nous pouvons apercevoir l'avion maintenant. Le pick-up s'est mis en route aussi et l'avion va devoir se dépêcher de le rattraper. Nous savons que la piste fait 900 mètres de long, mais si l'on soustrait la distance parcourue par le pick-up pour accélérer et freiner, en réalité l'avion n'aura que 300 mètres pour atterrir. Sachant que l'avion ne pourra pas aller au-dessous de 80 km/h, il n'aura que 13 secondes environ pour réaliser l'exploit que nous lui demandons. J'ai l'impression qu'ils ont quelques difficultés, l'avion n'arrive pas à rattraper le véhicule. En fait, dans le véhicule, je ne vois pas l'avion, donc je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Il faudrait que le pick-up réduise un peu sa vitesse. On y était presque et l'avion doit accélérer un peu. Maintenant, ils doivent faire de leur mieux pour coordonner leur vitesse, mais aussi bien faire attention à leur trajectoire. Plus vite à décourage. Il faut aller plus vite, sinon ils vont arriver au bout de la piste. Bien, ils sont bien synchro, ça se présente bien, l'avion et le pick-up sont presque à la même vitesse. Maintenez le cap.
Ils ont déjà perdu trop de temps pour coordonner leur vitesse et leur trajectoire. Ils sont presque au bout de la piste. L'avion est bien positionné. Bien. Est-ce qu'il va pouvoir atterrir? Oui, il a commencé à amorcer la descente. Et qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que l'avion dévie? En tout cas, il a superbement corrigé sa trajectoire. Mais il a eu un problème sur la descente. C'est vraiment trop dommage. On a très bien vu que vous étiez à deux doigts d'y arriver, alors qu'est-ce qui s'est passé? Sur ce côté, il y a eu du vent qui m'a déporté à gauche. Vous allez essayer de remédier à ce qui vous a posé problème. Nous attendons avec impatience votre deuxième essai. L'échec du premier essai fait monter la pression d'un cran. Piste trop courte, vent contraire, l'un ne voyait pas l'autre, les conditions n'étaient pas favorables pour nos deux candidats. Ils vont tout donner pour tenter de saisir leur seconde chance. Je pense que notre défi est tout simplement impossible. Même si c'est impossible, il faut quand même le tenter. On est sûr qu'on va pouvoir y arriver. Maintenant, l'avion a pris son envol. Une fois qu'il sera placé sur sa trajectoire, le défi pourra commencer. Bien, on peut voir que là, ils sont beaucoup mieux partis. L'avion a rattrapé le pick-up plus vite. Il leur suffit de coordonner leur trajectoire. L'avion va bientôt atterrir. Et il ne va avoir qu'une piste de 2 mètres sur 5, soit un tout petit peu plus large que l'espace des deux roues de l'aéronef. Donc le moindre petit écart, et c'est l'échec assuré. Je crois que l'avion a commencé à descendre. Oh là là, ils y étaient presque! Les roues de l'avion étaient sur le véhicule! Quel dommage! Mais on dirait qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot. Ils restent encore assez de distance sur la piste, donc ils peuvent encore tenter leur chance. Allez, vite, vite! L'avion doit réussir à se placer correctement. Ils arrivent bientôt au bout. C'est leur dernière chance. Courage! On dirait que l'avion se fait déstabiliser par le vent. Il est un peu trop de côté. Il faut qu'il corrige la trajectoire. Ah là 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 là, presque à 50 cm près. C'est vraiment trop dommage. Trop dommage. Ils ont raté leur deuxième essai. Nous avons pu voir qu'à leur dernière tentative, ils y étaient presque. Je dis ça vraiment à contre-cœur, mais pas le choix, ils ont échoué. Malgré cet échec, je tiens à remercier particulièrement mes amis pour tout ce qu'ils ont fait. Merci beaucoup. Je suis vraiment fier et heureux d'avoir des amis comme ça dans la vie. Alors, merci à tous. On n'a pas réussi cette fois-ci, mais on n'abandonnera pas. On reviendra au défi de l'impossible. Dans le prochain défi, les capacités humaines vont de nouveau être soumises à rude épreuve. Il s'agira en l'occurrence de Louis. Je vais vous demander d'applaudir pour accueillir notre prochain candidat. Bonjour Sabine. Bonjour. Bien. Bonjour, je m'appelle Li Qi, j'ai 32 ans et je suis malvoyant. Je viens de la ville de Tianjin, mais je travaille actuellement à Beijing. Bonjour.
Li Qi, vous ne voyez pas du tout ou... Je peux percevoir un peu la lumière avec mon œil droit. Et avec l'œil gauche? Je ne vois rien du tout. Oh, c'est de naissance? À 17 ans, je suis tombé malade. Et la réaction à un médicament m'a rendu malvoyant. Si vous ne l'aviez pas dit quand vous êtes arrivé sur le plateau tout à l'heure, je n'avais vu aucune différence avec les autres candidats. Vous êtes totalement indépendant? Oui, actuellement, je vis seul à Beijing. Vraiment? Nous avons déjà précisé que cette épreuve aura un lien avec l'audition et les capacités auditives extraordinaires de notre candidat. La première fois qu'on m'a dit en quoi consistait l'épreuve, je n'ai pas pu m'arrêter de rire quand j'essayais d'imaginer la scène. Tout d'abord, je vais demander d'apporter tout ce dont le candidat va avoir besoin sur le plateau, d'accord? Allez, faites-les venir! Ah, ils sont trop mignons! Salut! Ils sont beaux! Le numéro 6 a fait pipi dès son arrivée. Où ça? Le numéro 6. Oui, je parle de toi. Il a fait pipi à l'entrée de la niche du numéro 5. Quinze skis. Tous les assistants sont partis? Les chiens sont bien attachés, hein? J'ai l'impression qu'on se retrouve dans une forêt secrète, avec 15 skis. J'arrive pas à dire ski. Ski. Ce mot, j'y arrive pas. Donc 15 skis. Après, nous allons... Impossible de les contrôler. Que les défis commencent. Pour ce défi, les membres du jury vont choisir un chien au hasard, puis c'est les yeux bandés que le candidat devra reconnaître le bruit que fait ce chien quand il boit. Ensuite, il écoutera tous les autres chiens boire les uns après les autres, et si parmi eux, il arrive à reconnaître le chien choisi par le jury, il aura gagné. Le candidat aura deux chances. Vous trois, vous pouvez en discuter à voix basse. Maintenant, choisissez un chien et pointez-le du doigt. Li Qi, nous allons emmener ce chien devant vous pour qu'il vienne boire de l'eau. Par contre, vous n'aurez pas le droit de le toucher. Voilà. Bien. Maintenant, nous amenons le chien sur le plateau. Il a déjà commencé à boire. Mais comment va-t-il réussir à différencier le bruit que fait ce chien en buvant parmi tous les autres? Je ne peux même pas l'imaginer. D'accord, c'est bon. Très bien. Li Qi a mémorisé la façon qu'a ce chien de boire. Maintenant, nous allons faire venir les autres par ordre croissant, en commençant par le numéro 1. Puis Li Qi devra reconnaître le chien choisi parmi eux. Attendez un instant. Attendez. Monsieur Li demande à ce qu'on commence par le numéro 15, qu'on fasse l'inverse, pour éviter que le chien de référence ne repasse trop vite et augmenter le niveau de difficulté. Viens, numéro 15. Viens par ici. Oui, bien. Commençons. Le défi d'aujourd'hui est très difficile. Il y a 15 chiens qui aboient sur le plateau, des bruits parasites et l'environnement a aussi une influence sur les animaux.
C'est bon, il peut y aller. C'est bon, il peut y aller. C'est bon. Doucement, sois sage, bien, bien. Tenez. Et celui-ci, vous pouvez l'attacher. Attachez-le au poteau. Maintenant, c'est le numéro 14. Il ne veut pas. Allez, bébé. Allez, on y va. Oui. Allez. Oui, parce que nous sommes face à un cas de figure particulier. Le numéro 14 abandonne. On passe au suivant. Nous invitons maintenant le numéro 13 à venir boire de l'eau sur le plateau. Par ici, bébé. Allez. Bien. Viens, numéro 12. C'est parti. Quand ces 15 chiens boivent, il y a des différences dans le timbre et la fréquence des sons qu'ils émettent. Et un chien produira même des sons différents en buvant à mesure qu'il étend sa soif. Le candidat doit donc être doté d'une ouïe extraordinaire pour différencier les sons que chaque chien émet en buvant. C'est bon, il peut y aller. Bien. Numéro 7, commence à boire. Bon. Sois gentil. C'est bon. Bien. Numéro 6. J'ai remarqué quelque chose. Quand un des chiens commence à boire, les autres se mettent à aboyer. Bien, merci numéro 6. Au tour du numéro 5. Est-ce que tu es prêt? Qu'il commence à boire. Ils sont bruyants ces chiens. Et comme en plus certains ne veulent pas boire, nous pensons tous les trois qu'on a eu de la chance de choisir celui qui aime boire de l'eau. En se prêtant au jeu, et il peut montrer ses caractéristiques au candidat pour qu'il puisse mieux le reconnaître. D'accord, c'est bon. Bien, numéro 5, merci. Numéro 4. Étant donné que les chiens sont imprévisibles, cela fait déjà une heure que le défi a commencé et tous les chiens n'ont pas encore fini de boire. Plus le temps passe, plus Litsi se mélange les pinceaux et le fait que les chiens n'arrêtent pas d'aboyer facilite encore moins les choses. Cela lui donne encore plus de fil à retordre. Pendant une heure, je me suis uniquement concentré sur le son que faisaient les chiens quand ils buvaient de l'eau. La seule chose à laquelle je pensais, c'était quelles sont les caractéristiques de ce chien. Ok, c'est bon. Bien. Le numéro 1 a fini de boire de l'eau. Tu bois encore? Voilà, il ne manque plus que toi, numéro 14. On essaie encore une fois. C'est un défi, vous êtes une équipe, donc tu dois coopérer pour accomplir cette mission. Si tu ne le fais pas, nous allons manquer aux règles du défi, tu comprends? Bon, bien. Apparemment, il est toujours... Bien, ça, c'est le numéro 14. Ce chien est un peu... c'est bon, il boit. Il a la queue entre les jambes, alors que les autres lèvent la queue. Ça montre qu'il est anxieux. Le numéro 14, bon, enfin de l'eau. Voilà, vous lui avez fait peur et il ne boit plus. Est-ce que c'est nécessaire qu'ils boivent encore un peu? Non. D'accord, très bien. Les 15 chiens ont fini de boire. Est-ce qu'il y a des chiens que vous souhaiteriez réentendre? Aujourd'hui, les chiens ne sont pas très coopératifs. Les différences ne sont pas énormes. S'il vous plaît, est-ce que ce serait possible d'écouter à nouveau les numéros 4, 5, 6 et 7 boire de l'eau? D'accord.
Notre candidat malvoyant a formulé la nécessité de réécouter quatre chiens, parmi lesquels se trouve le chien choisi par le jury. En choisissant quatre chiens parmi les 15, Liti se rapproche un peu plus de la victoire. Ok, c'est bon. D'accord. J'ai la réponse. Faites attention, vous n'avez que deux chances pour nous donner une réponse. Si vous vous trompez deux fois, vous aurez perdu. C'est bon, allez. Levez-vous. Dites-nous quel est, à votre avis, le chien choisi par le jury. Je pense que c'est le chien numéro... Vous savez ce que signifie le silence qui règne sur le plateau ? Que je me suis trompé. Vous nous avez donné une mauvaise réponse. Quand Sabining m'a dit que j'avais donné la mauvaise réponse, j'ai cru que c'était fini pour moi. Quel chien ça peut être ? Comme il y en a beaucoup, que les différences entre eux ne sont pas grandes et que certains refusent de boire, c'est vraiment difficile de les différencier. Vous avez encore un peu de temps et vous avez encore une chance. Vous voulez les réécouter ? Oui, pour être sûr. D'accord, très bien. C'est vrai qu'après tout, nous n'avions pas prévu que ce serait autant le bazar avec 15 chiens sur le plateau. Lesquels voulez-vous réentendre ? Je veux tous les réécouter. Du 1er au 15, vous voulez tous les réécouter, pas de problème. Quand il a voulu réécouter pour la première fois les 4, 5, 6 et 7, le chien qu'on avait choisi était parmi eux. Mais il était déjà confus et il a voulu réécouter tous les autres. Viens, bois de l'eau. On commence par le numéro 1. Le défi d'aujourd'hui est très difficile. Il faut que je me concentre encore plus et que je sois calme. Que je ne me laisse pas influencer par l'extérieur pour percevoir leurs différences. J'étais vraiment très inquiète pour notre candidat, surtout quand il a demandé à réécouter une fois après l'autre tous les chiens qu'il avait sélectionnés. Donc le niveau de difficulté de ce défi dépasse largement ce qu'on avait imaginé. Liti a réécouté à tour de rôle le bruit que font les 15 chiens en buvant de l'eau. Mais à partir de la deuxième fois, les chiens émettent un son différent en buvant et leur attitude n'est pas la même non plus. Ce qui augmente encore la difficulté du défi. Notre candidat va-t-il réussir ? Le numéro 15. Ok, c'est bon. Merci. Merci numéro 15. Les 15 chiens ont accompli leur mission. Ils ont tous rebu. Sabining, je voudrais écouter une dernière fois le chien choisi. Juste une dernière fois. Vous voulez le réécouter ? D'accord. Comme les chiens sont imprévisibles, le défi prend beaucoup plus de temps que prévu. Liti ne se rappelle plus très bien du son qu'émet le chien choisi, donc il veut l'écouter encore une fois. Pour ne pas que le candidat se réfère à la direction par laquelle le chien arrive, Sabining l'amène depuis un autre endroit. Bien, on commence. Leur comportement change beaucoup. Ils boivent doucement et les différences sont vraiment minimes. J'étais vraiment très stressé. Vous pouvez encore réfléchir un peu pour nous donner votre réponse. C'est bon, j'ai la réponse. Allez. Bien. C'est votre dernière chance. Parmi les 15 chiens que vous avez entendus, lequel est le chien de référence ? Je crois que... C'est le numéro 5.
Vous avez réussi. On applaudit bien fort pour remercier nos 15 skis hyper mignons. Merci à eux, merci à tous. Je vous attends au Panthéon de la Gloire. Je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonjour Litsi. Bonjour. Je suis Walking Show. Enchanté. Quand avez-vous remarqué que vous pouviez reconnaître un chien quand il boit? Dans la cour de ma grand-mère, il y avait 4 ou 5 chiens. Suite à ma cécité, je me suis mis à écouter attentivement le son que faisaient ces chiens en buvant. Et j'ai remarqué des différences. Et en fonction de ça, je peux les reconnaître du plus âgé au moins âgé. Tout à l'heure, vous disiez que vous étiez un Pékinois d'adoption. Oui. Comment ça se fait que vos parents ne sont pas venus avec vous? Ils ne s'inquiètent pas de vous savoir ici tout seul? Au début, quand je suis venu ici, ils s'y sont opposés. Mais comme je suis du genre têtu, je n'ai pas voulu abandonner à cause de mon handicap. Mais vos parents doivent régulièrement se faire un sang d'encre pour vous, non? On s'appelle très souvent. Je vois. Pour qu'ils soient rassurés. Vous savez, oui, le défi a pris un certain temps et à chaque fois que vous écoutiez attentivement un des chiens boire de l'eau, il y a deux personnes qui ne vous ont pas quitté une seconde des yeux. On ne nous a pas dit qui étaient ces personnes, mais nous trois avons très vite deviné de qui il s'agissait. Ce sont vos parents. Ils étaient debout, là, calmement, et ils avaient les yeux rivés sur vous. Aujourd'hui, ils sont venus assister à l'émission, alors applaudissons chaleureusement pendant qu'ils viennent sur le plateau. Litsi. Il voit bien que vous vous accrochez à la moindre lueur d'espoir qui permettrait de lui faire retrouver la vue. Il sait tous les efforts que vous faites pour lui. Et aujourd'hui, il a passé une heure à réussir avec brio un défi très difficile. Mais comparé aux 15 années d'efforts que vous avez dû fournir depuis que sa cécité est apparue à l'âge de 17 ans, ce n'est pas vraiment comparable, mais vous réalisez des défis impossibles quotidiennement que vous gagnez. Donc je vous félicite. Concernant le défi d'aujourd'hui, pour moi, eh bien c'est... oui. Nous invitons Litsi ainsi que ses parents à entrer au Panthéon de la Gloire. Litsi, il y a encore un long chemin à parcourir. Je suis sûr que tu vas y arriver. Litsi, regarde cette lumière qui inonde le monde et marche vers elle. Va de l'avant. Merci d'avoir suivi notre émission. À la semaine prochaine.